Bonjour et bienvenue à jouer à Xenogears. La dernière fois, on était bien paré pour gagner. Et c'est ce qu'on va aller voir. On va manger quelque chose, c'est qu'à ma taille. On booste à la limite de nocturne. Ok, bah ça va, je te carré de manger des cochonneries là, c'est jamais bon. Bon. Où suis-je? Montez l'échelle, là, fuck off, on va rentrer dans le show. J'aime bien mieux sauter sur le toit, faire du bardeur, pis oh yeah, baby! On t'en mange jamais! Ouais, let's go. Oh non, sommes arrivés au tournoi, le dernier combat de Dragon Ball devrait se passer en ce moment même. C'est le dernier jour des jeux, la finale de votre adversaire sera Ricardo Bandera. Je m'en occupe. Confirmer l'inscription du pilote. Fin un moment. Bon. Donc, le combat devrait être pareil que les autres. Spam le bouton. Pis c'est ça. Avancez jusqu'à la zone d'embarquement. Sierre. Alors devant le chemin, Rico, tu ne sais pas qui t'a affaire, salopard, tu vas parler de petit coup de... Oh god, aïe. T'sais, oui, c'est comme le suicidaire vers la fin, mais c'est voulu, là, ça. Estifi, aucune chance, notre ami Rico, là. Voyons. Voyons, il coriace vers la fin de cœur, hein, le petit maudit. On peut plus le faire, on a plus d'HP. Arrête de te bloquer, là. T'as ça, mané, là. On regardait ça, la finale. You, oh, on veut. Oui, il y a un coup de poing dans le vide. Oui, il y a tata. On a gagné. You well, victorious. Lâche-toi pas. Ah mon dieu, round 3, what the fuck? What's that shit? Il a le doigt à 3 rounds, lui, c'est quoi cette histoire là? Draw game, voyons. What the fuck is this shit? Hey, ça m'a l'air quand tu tires loin de même, mais il fait ce que je fais, mais... Fait deux fois que je te bats, là, jamais je croirais que... Allez, hein. Hey, on sait pas quoi qu'on s'est fait planter. You are victorious! 3 de 4, moi ça 3 de 4. T'en fais un, moi. Votre machine est trafiquée, je vais le dire au comité. Oui, son gear a des pièces qui sont totalement en violation des règles. Fermez-la! Elle ne m'embarrassait pas plus. Même si je me demande comment un tel équipement peut se trouver dans la capitale, et sans que tu ne puisses s'en sortir avec le socolier. Mariko, alors? Je croyais t'avoir dit d'arrêter, tu calmes. Exactement, c'est impossible. Mon frère a gagné grâce à sa force. Arrête les accusations mensongères. Ça suffit, Amel. J'ai juste eu de la chance et un bon instructeur. De plus, la blessure à ton bras n'est pas complètement guérie, hein. Si tu ne l'avais pas eu, tu aurais certainement gagné. Une défaite est une défaite. Cette blessure n'est pas une excuse. Tu es le champion. Bon, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais maintenant. Champ, attendez, laissez-nous venir. Je ne suis plus le champ. Vous ne feriez que me gêner. Ne me suivez pas, ok?
vous gênez, ma champ! Rico! Ça veut dire que je suis acquitté, je suis libre. Comment ça, t'es libre, toi? Tu veux, toi? Tiens, c'est la dernière fois. Ne me laisse pas tomber. Je dois le tuer moi-même. Opération Ninja. Et visez un peu ça! Il n'y a qu'un seul vaisseau de contrôle. Les sept autres sont guidés par la Terre. Mais qui donc les dirige tous? J'en aurais jamais cru que tu serais commandant d'escorte. Dominia! Dominia, qui c'est ça? Et c'est pas celle des éléments? Ça faisait longtemps, Helheim. Helheim, en tout cas. La dernière fois, c'était Ojuja. Non? Comment ça se prononce, ce mot-là? Que fais-tu ici? Une mission vitale ordonnée par le centre. Par le central. J'ai déjà reçu les ordres de Ramsus. Le Hetch ne doit pas être piloté par n'importe qui. Je vais m'en charger. Je n'ai pas besoin d'escorte. Cela faisait partie du plan. Ça va être une belle bataille. Attends, dis-moi quelle est ta cible, tu dois le savoir. C'est confidentiel. Mais je peux te le dire. Le générateur électrique dans le secteur S de la capitale impériale de Kizvel. La cible est un réacteur laissé là par une ancienne civilisation. Le réacteur, si tu l'attaques, alors Kizvel va être probablement presque entièrement détruit. Le reste sera inhabitable pour des centaines d'années. Pourquoi fais-tu ça? Pour épurer quoi d'autre? Tu dois bien savoir que Kizvel a le gardien de la porte. La porte originelle est contrôlée par ces vulgaires agneaux. La barrière de ce pays a été fabriquée par nos ancêtres. Les agneaux veulent détruire la porte. Vas-tu laisser faire ça? Si cela doit se passer ainsi, avons-nous le droit de nous impliquer? Ça te préoccupe? Depuis quand as-tu une conscience? Guerre, conflit, trahison, tromperie, voilà ce que les agneaux possèdent en eux. Tu devrais le savoir, rien qu'en regardant les fous dans ce pays. Laisse-les libres d'agir et tu verras ce qu'ils feront. Ils pilleraient et saccageraient ce monde comme si leur appartenait. Pire, je veux dire. Un savoir ou des outils avancés sont inutiles à des animaux domestiques. Nous devons leur donner ce qu'ils méritent. Tu as été un habitant de la surface à l'origine. Alors pourquoi? J'ai été choisi par le commandant. Ne me compare pas à ces stupides agneaux. Bon. Tu t'es dérobé au devoir qui t'a été donné au juge. Argumenter avec toi est une perte de temps. Je viens de la surface, mais je vais éradiquer les agneaux, ces agneaux. Je veux que vous, berger Abel, voyez ce que je peux faire. Ben. Navette explosive nucléaire! On va avoir un méchant paquet par là. Rien que deux. Pourquoi je disais qu'il y en avait 8 tantôt? Cette chambre, c'est celle du champ? Oui, la chambre donnée au champion. Ça ne te satisfait pas? Non, c'était pas ça, mais. Et Rico? Rico? Il est l'expert champion, tu es le champion. Mais que lui est-il arrivé? Après la finale, pendant la compétition de la Ligue, son gear est devenu incontrôlable.
Elle s'est écrasée sur la loge du Kaiser et a été endommagée. Plus de nouvelles de l'ancien champion et personne ne l'a vu depuis cet incident. Il n'y aura pas de match avant un moment. Tu veux prendre un peu de repos? Le collier explosif t'a été enlevé. Pourquoi ne pas aller faire un tour du côté du bloc A, la zone civile de Nortune? Le bloc A, la zone civile? La partie sud-est de la capitale, appelée bloc A, ou zone civile. Bien, nous allons partir. Cette pièce est la vôtre. À côté, il y a la chambre à coucher. Oh, et fin. À présent, tu vois le titre de champion, ainsi que les privilèges du rang S. Félicitations pour avoir remporté le championnat. Nous avons dû enregistrer de très bonnes données. Une bonne nouvelle. Sigmund, le Kaiser, veut te rencontrer. Fais le champion. Passe au quartier administratif central. Bon, au revoir. Bon, maintenant tu es libre en théorie et en pratique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, mon frère? Tu quittes Nortune? Nous n'avons pas fini, il reste encore une chose à faire. Je sais, c'est Walton, n'est-ce pas? On ne peut pas le laisser ici, il faut qu'on le récupère. Je pense que Walton a été déplacé sur un autre quai. C'est alors que tu entres en action, Hammer. Compris, docteur. Je vais trouver où est votre guille. Je parie mon titre de fournisseur numéro 1 de la capitale là-dessus. Ok, alors, séparons-nous. La reste seul, vous deux, vous partez ensemble. Je reste seul, excusez. Mon frère, tu me fais pas confiance? Je travaille mieux tout seul, j'ai rien contre Citan, mais il me ralentirait, frère. Alors laisse-moi faire, ok? Ça me... Nous devrions y aller aussi. Bonsoir, on est parti. Bon. C'est vrai, il y a une chambre ici qu'on pouvait pas rentrer. On peut-tu rentrer là? Ça te voit bien, jamais je courirai là. Ah, y'a un safe tout, écoute. Hey, on est choyé des dieux là. On va se coucher, ouais. Peux-tu? Je peux me reposer ici. Repos. On va dormir 5 minutes. Ça sera pas très long quand même. Bon. Fait que, on n'arrêtera pas la vidéo là, parce que là, on revient que 13 minutes. Là. Franchement. Voir si. On arrêterait là. Bon, fait qu'on va sortir de là. Oh, fait une minute. Hammer est parti, mais il a laissé un message pour toi. Il veut que tu le rejoignes au Wildcat de Labatt, dans la partie civile de la ville, quand tu te seras occupé de tout. Tu comprends ça? C'est où le Wildcat de la bête? On verra, je suppose. Par là, c'est la ville. Les prisonniers du bloc. Quoi, vous êtes? Excusez-moi, allez-y. Ouais, toi de mon chemin, salopard! Bon. Donc on peut aller à la ville. On va passer par le zard, hein? Ouais, on peut faire ce qu'avec. Plus haut, c'est l'entrée du nord du bloc A. Mais c'est fermé pour les pour travaux. Ok. Bon, c'est qu'il va y avoir next. Ici, notre central district, c'est comme ça que ça s'appelle, non? C'est comme ça, on va voir. Port Nord, ok, là je vais voir là. Port Est. Puis site central district, c'est ça par hasard. Quartier central, ouais, on va aller en premier. Ceci est le quartier central de Kaiser réservé au perso. Oh, si c'est pas fait, le champion du tournoi. Le Kaiser attend.
Par ici, s'il vous plaît. On va voir prendre le coffre qu'on avait vu. Qui était à côté du sandwich au jambon, du 15h, je veux dire. Personne. Comme je le pensais, la sécurité a été réduite pour tirer fin. Je suppose qu'il vaut mieux éviter de frapper à la porte. Je vais passer par ce conduit d'aération. Vous êtes au quartier central. Prenez cet ascenseur, puis l'escalier de l'aile ouest pour atteindre la chambre du Kaiser. Ok, moi, je veux juste des items, là. Ça aurait fait des sons d'ascenseur, moi, je suis bon là-dedans. Envoie ça de travers, pas pour tromper le monde qui sont dans l'ascenseur et dire « Ah, on était au-dessus de ce qu'on était, là. » Non. Bon, t'as pas fait. Bon, retourne à bord de faire qu'on va couper ce bout de poche là. Là. On va commencer par explorer un peu partout là. Premier là. Ah ben, la map des États-Unis. Non. Bel avion. Il se passe des choses à laver. Ils peuvent attaquer n'importe quand. Gang de malades sont fous dans la tête, ces aviens là. Et on sait. Ouais, ça se pose avoir des items quelque part. Conflit avec les pirates, soldats, ce que vous voulez. Ça va être un entrepôt, il y a un petit chien perdu. Lui, petit chien, est avec son maître. Ne dis à personne que je garde un animal ici, je l'ai trouvé moulant aux alentours de la haine. Regarde là à présent. Ah oui, il y a de l'air d'un chien. Pourquoi ça fait un son de pas quand on y parle? Pom, pom, pour manger des poids. Il y a du monde qui vit ici avec des animaux. C'est propre en plus à d'autres pays. Tu sais, imagine-tu à quel point faut laver là, pour en arriver là. Hein? Ah, je me rappelle là, cette place là. Sauf que je me rappelle pas ce qu'il y a à faire ici. Là. Ce que je sais, c'est qu'il y a un cop en arrière là. Ha ha. Comment fait-on pour y aller? Il m'a dit, fait, t'as fait pour être pogné là, monsieur, madame, patente. Voyons, ça monte-tu, vous pensez? Non. Il doit avoir un moyen. Merde, j'y étais là, putain, je l'avais. On a pas obtenu. Hein? Insulté d'air, ok. Faut oser quoi là, mais je me plaindrai pas. Après moi ça monte là. Même pas. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, ma merde? Prends cette machine là! Allons, allumons! Attention, attention, attention! Merde! Ah. On l'a pas eu! Ok, deux secondes, il faudrait que j'examine ça en premier là. Ça monte pas là-dessus. Hein. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, je sais pas. Ça sert à rien. T'es en train de me faire rire de moi là. Faut-tu sauter là-dessus là? Ça a l'air comme. Oupim pom. Hey toi, vas-tu lever ça dans les airs, genre?
Pourquoi ça ne bouge pas? Comment je suis supposé décharger le cargo? Si nous déplaçons la grue, peut-être qu'il est possible de faire une marche pour monter là-haut. Ok. On va la voir, notre trésor. Je l'initialise pendant cette... Peux-tu genre juste rentrer pour venir? Ça a l'air que oui. Allumons. Hey, c'est pas contrôlable cette affaire-là! Ça, tu pèses le piton, vous arrêtez pas. Ça. D'après vous, là. Ça va être correct la main. Hein? Ouais. Boum boum boum. Bon, mais même si je le mets ici, ça me donne rien. Je peux pas sauter assez haut pour ça. Hein? Tu sais, je veux dire, je sais pas si vous comprenez. Ce que j'essaye d'affirmer. Là. Je peux-tu monter dessus? Là? Ah, voilà. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. On va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon, ça a l'air qu'il faut amener les choses complètement à la fin. Là, coller ces deux blocs jaunes là. J'ai obtenu le Power Magic! Il m'a gagné deux systèmes dans la poignée dans toutes les alentours. Il y en a un, on sait déjà c'est où, donc on va pas avoir de problème. Oh, bon, on va monter les escaliers. Après ça, on va les monter les ascenseurs. On aurait dû le bord d'arriver après ça. Quelle porte j'ai pas été là-dedans? Ah, c'est bon. Après ça, je pensais! Je l'avais prédit! Mais je vais vous couper ce bout-là. Yeah. On est revenu! Bon, c'est où c'est qu'on va dans cette place-là? On va explorer. Hey, double slack, toi, t'as l'air, hein? T'as toutes tes affaires. Il n'y a pas l'air de faire grand chose en tout cas. Boum blum boum blum boum blum boum blum boum. Je vais pas voir la suite. Comment ça va venir le site? Ah ben. Qui êtes-vous? Ah d'accord, c'est donc toi, fée. Bienvenue. Comment me connaissez-vous? Haha, excusez-moi, je suis le Kaiser de Kisvel Sigmund. Cela va te surprendre, mais voudrais-tu rejoindre nos forces? J'ai besoin de ton aide. Ah! Hein? C'est vous, Rico? C'est pas bon. Je reviendrai plus tard. Mutant! Sécurité, arrêtez! Il n'était pas avec vous, j'espère. Non. Nous n'étions... Oh, c'est qui fait, lui? Non, pas en bas. Je vais me cacher dans le coin pour le moment. Hé, hey, le Kaiser vous demande. Quoi, c'est vrai? Et ça va aller? Oui. Cette porte ne s'ouvre pour personne excepté le Kaiser et sa femme. Là, qu'est-ce que vous faites? Oh, ça ouvre. Hein, c'est quoi cette pièce? Cette odeur? J'ai déjà vu ça. C'était... quand?
Maman, pourquoi Jenny elle a une paire et pas moi? Bien voilà ton père, et donc c'est pourquoi. Maman, tu dois te reposer. Écoute-moi, ton père est un grand homme. Un jour, tu suivras ses traces. Maman. Maman. Ben voyons. Je suis différent des autres enfants. Même mes ongles sont longs et regardent mes oreilles. Non, ce n'est pas ça. Miu qui habite en face n'arrête pas de dire que je ne suis pas humain et que quand je serai grand, je deviendrai un demi-humain. Je ne suis pas humain? Alors tu n'es pas ma mère? Non, je ne veux pas. Oh Dieu, je vous en prie, ayez pitié de cet enfant. Dégage, barre-toi, espèce de mutant! Non. Maman. Maintenant, écoutez bien. À partir de maintenant, tu vas te débrouiller seul. Maman, je suis. C'est à moi, ce gosse? Mes souvenirs d'enfance, j'avais oublié. Pourquoi? Je me rappelle de ça maintenant. Cette chambre légère, cette légère odeur. Hé, tu es là-dedans, ouvre! Qu'est-ce qu'il t'a pris de t'introduire comme ça dans la centrale? C'est pas très malin, quoi? Oublie ça. Bon, fait qu'il devrait avoir un item 7, je pense. Non. Momento locket obtenu. Ok, ça c'est un item pour Rico. C'est quoi? C'est pas une arme. Rico Iron Mail. Mettre ça à la place, je pense. Ça pèse de 18. 7 heures défense, 7 heures attaque. Bon, je vais mettre ça pour finalement. Je pense que c'est lui qui peut l'équiper. Donc je vais essayer de l'équiper à fée. Non, il est pas là. Bon. Il reste rien que le coffre dans la chambre du geyser après la poignée. Vous, comment êtes-vous entré? Simplement, en passant par la porte. Ça ne s'ouvre pas si le bon ADN n'est pas scanné. Ce n'est pas aussi facile. Probablement un défaut. C'est sans importance. Arrêtez cet intrus. Le comité est à sa recherche pour rupture de contrat. Ils vont s'occuper de lui. Oui, monsieur. Bon, on se voit plus tard. Non, ça ne peut pas être. Cet homme est suspecté d'avoir voulu m'assassiner. La police s'occupe de cette affaire à présent. Bon, j'ai des choses présentes à terminer, si vous voulez bien m'excuser. Visitez la centrale à votre guise. Oh, et au sujet de ma proposition, j'attends une réponse positive. Au revoir. Bon, fait qu'on va aller... Ouais, on va aller... Ici. Miaou! Doudoudou. Nightmare. Merveilleux. On coupe ça. Je pense qu'on avait déjà pogné une, sauf que. Nightmare.
bonsoir, on est parti. Bon, faudrait trouver un save, là, ça. Ben beau, là, mais... Ben beau, c'est ça. Je pense que s'il n'y a pas de save, on va juste retourner, là. On va couper ça encore une fois, le mode ascenseur. Bon. On a tout pogné les items dans ce place-là. Donc, je pense qu'on... C'est quoi ce pièce rouge, là? On va pas passer par ici, nous autres. On ne mange jamais, Marnaitre! Fait pourquoi partez-vous? Revenez comme vous voulez! Je vous aime! Hammer a certainement dû avoir des informations. Allons voir au Wildcat de là-bas. On doit se rejoindre au Wildcat, non? Alors allons-y. Frère, ça y est, j'ai appris des trucs! Hé hé! J'ai localisé ton gear, mon frère! Une seconde. C'est pas prudent de parler ici, salaud! Mais quoi, frère? J'ai des infos! Hé, quelqu'un, qu'est-ce que... Putain de merde! Je t'expliquerai plus tard, on bouge. Hé, frère, le doc, c'est Zidan! Où vous allez? Et vous m'entendez? Stop! Gros niaiseux, là, ça. Ça devrait aller. Hammer, dis-moi où est mon gear. Comme l'a dit le doc, ton gear a été déplacé vers un autre quai. Mais... Au nom du ciel, où est Walter? Pas dans le ciel, mais sous la terre. Un quai souterrain dans le bloc D. J'ai vérifié, nous avons deux chemins pour nous y glisser. Le premier se trouve dans l'arène de combat. Impossible par là et le de deux. Le second moyen est un peu plus dangereux, c'est le tunnel du train. Il faut entrer dans les conduits du tunnel et les suivre jusqu'au quai. Mais je n'ai pas trouvé le plan des conduits, désolé, frère. Oh, ce tunnel! Maintenant que nous n'avons plus de ces bombes, nous pourrions la traverser. Oui, mais nous ne savons toujours pas quand passe le train. Y en aura-t-il un d'utile pour nous? Nous n'avons encore rien décidé. Prenons notre temps pour tout planifier. Ah ben, je dois encore te demander un service. Peux-tu trouver les jours et heures de ravitaillement, s'il te plaît? Tout de suite, frère. Je suis parti. Un vrai rat. Nous retournons au bloc D en attendant. Ok. Où qu'on est? Où ça mène, ça? C'est au Wildcat de la batte, mais quoi. Ça lag, ça nous sort directement. Bon! On va sortir. Sortir du set. Ok, bon. On va y aller. On va le suivre, mais on va arrêter ça, là. Ah non, pas encore, là. Qui êtes-vous? Ne soyez pas si agressif, nous vous attendions. Vous nous attendiez? Suivez-nous, s'il vous plaît. Ça n'est pas pour un autre stupide baptême, j'espère. Hey, on se calme. On ne veut pas se battre, mais continuez comme ça et ça va dégénérer. Laissez-moi faire. Oui, désolé. Bon, je présume que vous n'êtes pas hostile. Amazonisme, oui. Pas ici, allons ailleurs, venez, suivez-moi. On dirait que nous n'avons pas le choix. On y va, fait. Ça commence à tirer long, le vidéo, là, putain, là, merde. Alors, que voulez-vous? Le champ, je veux dire, Rico a besoin de vous. Votre aide? Attendez, comment ça? Vous savez ce qui vient de se passer?
la retransmission du comité sur les écrans du tournoi. Ça disait un truc du genre: ce soir, l'ancien champion a été inculpé de tentative de meurtre sur le Kaiser, l'infraignant la section B. Par conséquent, l'exécution publique aura lieu dans l'arène. Je sais qu'il a été arrêté, mais c'est quoi cette tentative d'assassinat? Les membres du comité, le champ doit les gêner d'une manière ou d'une autre. Le comité? Le comité avait formé en majeure partie de gens de l'église. Il avait beaucoup d'influence sur le gouvernement. Mais Sigmund, le Kaiser actuel, l'a quasiment éradiqué. En plus de ça, les dernières années, pour renforcer la puissance militaire ou autre chose, le Kaiser s'est mêlé au programme de combat mis au point par l'église. Il les a certainement empêchés de faire ce qu'ils voulaient. Alors, ils se sont servis du champ. Pourquoi Rico? Rico est né dans cette ville. Mais Sigmund ayant favorisé le racisme envers les demi-humains, il en a été chassé étant jeune. Rico s'est mis à haïr le Kaiser, Nocturne et Kisvel tout entier. Et c'est pour ça qu'ils en ont après lui? Dans le passé, le Champ a eu beaucoup d'occasions de tuer le Kaiser, comme ce crash déguisé en accident. Mais ça a également échoué. Le comité craignait d'être impliqué. C'est servi de Rico. Le Champ est manipulé par le comité. S'il te plaît, fais aide-le. Maintenant, tu es le champion, mais le nôtre est... J'ai les heures, les jours et les destinations. J'ai tout le problème. Pas de problème. Quoi? Hé frère, pourquoi tu parles avec eux? Attends un peu. Ameur, dis-moi ce que tu as compris. Hein? Ça va aller avec eux? C'est bon, ce sont des amis. Oh, vraiment? Bon, d'accord. Le prochain train de ravitaillement passe ce soir. Mais si c'est trop tôt, le prochain est... Ameur, tu as bien dit qu'il se passerait ce soir. Quoi, ce soir? Eh bien, oui, il y en a un. Mais frère, il nous faut un plan sûr. C'est impossible si vite. La situation a changé et nos plans aussi. Nous partons ce soir. Ce soir? Mais que... T'es sérieux? T'es fou? Malade? Tu as entendu des rumeurs intéressantes aujourd'hui? Ben... Les dortoirs sont très agités à cause de l'histoire avec Maître Rico. Tu vois, des détails, Rico doit être exécuté à l'arène ce soir, non? Il doit être exécuté? C'est vrai, ça? Mais tu sais même pas, t'es pas au courant de ce qui se passe, mon homme? Tu n'avais pas parlé d'un autre chemin? Oh oui! Par l'arène, effectivement, frère, tu ne penses pas? Si, tout à fait. Tu as bien dit qu'il était possible de passer par l'arène, non? Je vois, ainsi nous pourrions aider le champion. Doc, ça pourrait marcher. Une minute! Ça pourrait marcher! Vous n'avez pas l'intention de surgir dans l'arène quand même! De toute façon, on devait s'échapper par l'arène. C'est sur notre route. Ça veut dire que... Pas de problème, c'est juste un truc à faire en plus de récupérer mon gear. Laissez-nous faire. Vous devriez tous vous rendre à l'arène ce soir. Nous quittons Nocturne, mais s'ils réalisent que vous êtes impliqués, je ne sais pas ce qu'ils font. Nous comptons sur vous pour le champ. Nous sommes désolés de vous avoir demandé ça. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Tenez, prenez ça. 2000 piastres! Taberslack! Hammer, tu vas te cacher quelque part? Quand nous serons dans l'arène, je vais devenir un peu dingue dans mon gear. Nous resterons en contact audio pour s'échapper de la capitale. Compris? Compris! Montre-leur de quoi t'es capable, mon frère! Le reste du temps avant que le train ne passe. Bon, si tout est prêt, pourquoi ne pas se reposer un peu? Merci, enfin save! Save Blixplox! Fait qu'on va aller saver, fait que merci d'avoir regardé. Et à plus tard.